Coucou tout le monde, coucou la rediff. Je t'ai même pas prévenu, Matt, que je partais en stream. Bah ouais. Ouais, mais je suis surpris. Eh oui. Peut-être fermer des petits trucs quand même pour pas que ça fasse des bugs et de la bruit. Enfin, du bruit, pardon. Je pense à de la merde et du bruit en même temps. Hop. Avant qu'on commence, je le redirai de toute façon. La semaine prochaine, le stream Dragon Quest aura lieu samedi et non dimanche, parce que dimanche, je suis pas à la maison. Donc je vais essayer de sortir toutes les rediffusions avant samedi. Et la manette ne marche plus? Allô la manette? Ah si, ça y est. Alors, leur quête des orbes manquants conduit nos héros jusqu'à Phnom Men, j'arrive toujours pas à prononcer ce truc, qui abrite de mystérieuses ruines et une fresque encore plus intrigante. Sur place, au milieu du tohu-bohu, des colporteurs, pardon, et des marchands à la sauvette, ils trouvent une petite fille perdue. Ils partent à la recherche de ses parents, mais finissent par perdre leur jeune amie elle-même. Étant retournés dans les ruines pour tenter de la retrouver, ils sont vite attirés à l'intérieur de la fresque fabuleuse et atterrissent... C'est bizarre de s'appeler ça la fresque fabuleuse, puisque moi je la trouverais pas fabuleuse non plus. Ça lui a dit. Et atterrit dans une étrange dimension. Ils sont attaqués par une féroce créature remuant dans tous les sens et assez semblable à une plante grimpante, mais heureusement, les pouvoirs de Téné permettent à l'équipe de s'enfuir de justesse. Ayant réussi à se frayer un chemin jusqu'au très fond du lieu caché par la fresque, ils apprennent la vérité sur Tiara grâce à une stèle gravée qu'ils découvrent sur place. Ils retournent alors à Sous-Côté pour en avertir tout le monde. Quoi Sous-Côté? Salut Nio 3. C'est pas Phnom Nen, la ville? Ou c'est une erreur en traduction? Enfin bref, on est allé dans la fresque, on s'est fait presque bouffer par une plante, on s'est barré de la fresque, et là on devait aller prévenir tout le monde que la fresque, bah en fait elle est pas si cool que ça. Musique de Dragon Quest, c'est comme les meilleures musiques au niveau des jeux. Du coup, on a une quête là. Ah, oui, non. D'accord. Pas me laisser me balader, c'est pas grave. Well, look who it is. La vilaine. Yes, you should. Well, I had heard rumors about the mural. That's why I'm here, to be honest. But can what you just told me really be true? Yes, it's true, it's true. The big painting cured me. All I had to do was look at it. It will do the same for you, I'm sure. Regardez-moi ce petit sourire narquois là. Well, I suppose I'd better go and take a look right away then. Thank you, young lady. Another satisfied customer, huh, young lady? Another lamb to the slaughter, more like. But how? I had you in my clutches. You should be part of my masterpiece by now. Baston contre une enfant. You've lured your last unwitting victim into that painting of yours. You must go back and let them all out this instant. You can't keep all those poor people trapped in there. Come on, there's no point playing innocent anymore. Just let everyone go, will you? Toujours malade, moi. Il va nous faire sa technique de l'enfant mignon, c'est ça? Ah non. Oh là là. Oh, cette tête, faut que je la screen, c'est formidable. Let
let them go? When my great work is so close to completion? Fools! Thanks to the gift of that greatest of beings, I have the power to paint their memories onto the very canvas of time! There is only one way you will convince me to release them. Come to my world! Bring it to life with the bright brushstrokes of battle! Okay. Wait! Before you go, this greatest of beings, who do you mean exactly? Elle est complètement folle. Well, I for one don't intend to let her get away with this. Come on, let's get back to that mural. Alors, je suis d'accord avec toi, mais on va quand même prendre 5 minutes pour faire du stuff. 5 minutes, hein? Et voir c'est quoi la quête là. Ah oui, non, c'est vrai, il m'avait déjà donné sa quête. Est-ce que j'ai besoin de me heal un peu? Ouais, mais à la rigueur, je vais trouver un feu de camp de toute façon. On va ressortir un petit peu. Je pense que là, on va vers un combat de boss, donc vaut mieux qu'on regarde un petit peu ce qu'on peut faire niveau stuff. Faut que je pense à racheter aussi du soin et surtout des popos de mana. Le feu de camp le plus proche est en dessous. On n'allait jamais dans ce... Oh non, pardon, je mélange tous mes mots. On n'est jamais allé dans ce coin-là, donc on va aller voir. Attends, dans l'eau, il y a un petit truc qui brille, là. Reposons-nous. Ouais, non, c'est vrai que personne n'a rien capté, alors qu'en plus elle en faisait un boucan phénoménal en rigolant, mais c'est pas grave. On va forger ce objet et après on se reposera. Parce que j'ai appris plein de craft, il me semble. Alors au niveau des armes, les larges d'acier, ça, j'ai déjà mieux. Petite baguette. Après, je joue pas forcément avec elle, mais... Ah, le bâton de foudre, ça peut être pas mal. Je peux en faire qu'un seul. Les lances... Corne de bête magique, je sais pas où on a ça. Fouet et griffe, on n'utilise pas. Bâton de foudre... Est-ce que j'en ferai un? C'est vrai que... pour Théo, si j'arrive à la faire déjà. Ça peut être intéressant. On peut essayer de la faire, je sais pas trop si je vais y arriver, mais... C'est un test. Alors, tic tic tic. Une petite double frappe. Quoique double ration, c'est chaud là, j'ai peur de rater. Non, tac tac, on va frapper normalement. Et là, si je fais une petite frappe, c'est bon, on va pas risquer de faire plus. Bâton plus 3, c'est bien ça. Au niveau des armures, je sais, j'ai pas fait gaffe à ce que j'ai pu débloquer. J'ai plein de trucs, mais c'est vrai que...
Alors, ce qui est en rose, c'est ce qui modifie l'apparence du personnage. Mais ça, il me faudrait une potion de tonique et je crois que c'est super galère à avoir. Mais c'est un truc difficulté, je sais pas combien d'étoiles, ça doit être le dernier truc qu'on fabrique, ça. Ah oui, c'est vrai que je voulais faire ça, j'avais commencé à lui faire des trucs de... Attends, sors de là 2 secondes. Je sais plus où j'en suis dans son armure de platine. Voilà, il lui manque le casque, justement. Bon, on va faire ça. Je suis d'accord. Ah, coucou Kissy. Coucou. Bon, j'ai des armures, casque. Celui-là, on va essayer de le faire. Si je peux avoir un peu plus de défense, c'est déjà pas mal, quoi. Par contre, il a l'air chiant à faire, hein. Prochaine frappe sera doublée. Du coup, de ce côté-là, c'est mieux. Ce sera réduit de moitié. Ça craint. Je vais pas pouvoir le finir. Ah bah, c'est mort. Trop dur à faire encore. 2 étoiles, je peux pas. 1 étoile et demie, je peux. 2 étoiles, je galère. Après, ça se trouve, il est mieux que ce que j'ai actuellement aussi, donc on va regarder. Mais je peux toujours pas enfin faire des trucs vraiment exceptionnels, on va dire. C'est mieux. Et du coup, j'ai un super look. Bon, ça va pas trop avec mon expression du visage, je n'ai aucune émotion et tout, et j'ai une armure super badass. Ça, c'est classe quand même. Et du coup, petit Théo, sur le bâton de sorcier, on va remplacer ça avec le bâton de foudre. Qui est pas mal aussi. Oh là là, ce look. Moi, je fais du bruit d'armure quand je cours, j'adore. Tiens, tu tombes bien toi. Regarde vite fait hein, s'il a des trucs qui peuvent être intéressants. Ah, remède puissant, ça peut être pas mal. J'ai, par contre, il a rien pour la mana. Faudrait que j'aille voir. Je peux pas en acheter plus de 9. Bon, on va en acheter 9. Elle a ce qu'il faut, elle a rien, on va lui mettre à elle. On va aller voir après en ville s'il n'y a pas des trucs, mais... Allons-y. Donc on va devoir retourner dans la zone un peu bizarre là, mais bon. Je peux monter par là. Non, faut que je saute toi. Hop. Du coup, petit tour boutique, voir si je trouve des objets intéressants. Et après, baston. Et attends. Ah, il est fermé. Sacré, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Y a rien pour. Y a rien du tout pour la mana. On va devoir se démerder comme on peut. Bah écoutez, c'est parti. Hein. On retourne dans la fresque. Quoique, j'irais bien faire un petit coup de sauvegarde quand même, au cas où qu'on se tape un game over un peu nul.
Là, je vais en chier, je pense. Ça va, Kissy ? Ça va. Essaye de pas mourir. Hein. Bah, je dis ça, mais j'ai envie de tousser aussi. C'est contagieux à travers l'internet. Du coup, c'est parti. Pourquoi c'est allumé ça? Ok, niveau de la map, y a rien qui a changé pour le moment. Je vais volontairement snobber les mobs. On va économiser tout ce qui est mana et PV. Là, mon but, au lieu d'aller en haut à droite comme la dernière fois, sera d'aller tout en haut. Oups. J'ai super envie de me battre contre lui, mais après, le problème, c'est que j'aurais plus de quoi régénérer mes points, quoi. Ça va être chiant. Alors, comment on passe? Mes jolis petits aplats de couleurs, c'est tellement aimable à vous de me rendre visite dans mon monde. Maintenant que la toile est prête, laissons la beauté artistique du combat s'exprimer. Oh, elle me laisse passer. Cool. Enfin, cool. Je me doute de ce qui m'attend en haut, mais... cool quand même. Oh là là! Ah, je pourrais sauvegarder juste devant. C'est quand même gentil, hein. C'est quoi ça? Non? Bon, je suis désolée, hein, les mobs, j'ai pas le temps. Je devrais prendre le temps, mais après, c'est que... J'ai pas une quête où je dois en battre un truc comme ça, il me semble que si. Quatre ombrelles. Si, si, il y a le mec là, le vieux, il m'a donné une quête avec ces trucs là. Je vais essayer de utiliser le moins possible de mana, mais... C'est vachement mal, Jade, quand même. Je sais plus c'est quoi l'objet que je dois ramasser, par contre. J'ai rien eu, en plus, comme ça. En fait, je dois suivre les flèches, hein. Au bout d'un moment, je finirai bien par trouver le chemin. Hein. Tant que j'ai pas deux directions qui me sont proposées... Ah bah, merde. non, j'ai cru que c'est une illusion d'optique. On va retourner par là. Ah, il est devant le coffre. Eh, depuis le temps que je veux me le faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est hypnotisé par ses muscles, ok.
va pas avoir le choix là que d'utiliser. Peut-être commencer sur lui là. Je fais pas confiance. Ok, maintenant il nous reste le gros. Est-ce que ça peut marcher ça? J'y crois pas trop, mais... Ouais, non. Pff, Véronica, elle a pris cher. On va essayer ça, mais je sais pas trop si elle va réussir. Ah si, cool. Fiole de fine essence. On a un petit coffre là. Plateau en platine. Pas trop si ça sert à grand chose. Voilà. Hop, ça y est, tous échos. Ah bah non, fallait même pas aller là. Ah, fallait aller par là. Bon, c'est pas grave. Je fais que passer, hein. Hop. Ignorez-moi, tout va bien. Alors j'ai le choix entre là-haut qui mène à un cul-de-sac, mais il y a peut-être un trésor. On va aller là-haut. Ah, il y a un trésor. Si j'arrive à passer en esquivant les pantins et à piquer le trésor. Ils s'approchent de moi, ils s'approchent de moi. Ils m'ont pas vu. Ok, salut. Moi j'aime bien voler les trésors, je trouve ça cool. Pareil, on est ici. Bah non, je dois aller là. C'est un peu perturbant tout ça quand même. Là, c'est par là-bas. Je serais toute seule dans mon coin, je pense que j'aurais attaqué tous les ennemis, mais si je fais ça, à la fin des 2 heures de stream, on est encore ici, quoi. Alors, ici, j'ai le choix entre descendre, mais je comprends pas trop où. Encore plus bas ? Ou alors monter. Non, descendre aussi par là-bas. Il y a quoi là-bas? Un coffre. Oh ya ya. Ils m'ont vu. Ouais, ils m'ont pas vu. Prends une monture, tu iras plus vite. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Par contre là il est juste collé à moi, j'aime pas ça, va-t'en. Bon, j'ai bien fait d'aller ici, parce que les mini-médailles c'est cool. On va choper lui là. Il va lui voler sa monture. Pourquoi utiliser foudre? J'ai pas envie. Mais bon. Merde, je me suis trompée en plus. C'est pas celui que je vais utiliser. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils ont dû se faire chier à faire ce niveau quand même?
Du coup, on avait dit là, c'était... Donc moi, c'est par là-bas. Je fais que passer, je fais que passer, t'inquiète pas. Y'a pas un coffre, là? Non. Je suis accueilli par une armée de petits pantins. Je suis perdu là, franchement. On est tout en haut là. Oh, c'est surtout un grand labyrinthe, il faut pas mal se balader, tu redescends, tu remontes. Oui, oui, bah après c'est pas non plus vraiment un labyrinthe parce que t'as pas beaucoup de choix, heureusement. Oui, t'as pas beaucoup de choix, mais... Heureusement parce que là, je serais paumé. Hein. Dès qu'il faut monter et descendre, moi je me repère plus. Hein. Là, je suis les flèches, c'est tout. Et je trace ma route. Et j'essaie de regarder si je trouve pas des petits coffres. J'ai l'impression que je suis déjà passé par ici, c'est horrible. Ah bah c'est bon. Bah écoute, faisons une petite sauvegarde devant le boss, c'est peut-être pas mal. Désolée si je tousse, j'arrête pas depuis ce matin. Oui, je poursuis mon aventure. Par contre, pour la rediffusion, on va s'arrêter ici. Comme ça, si le combat dure trop longtemps... Hop, je fais un petit screen. Si le combat dure trop longtemps, moi ça fera pas un épisode de 50 minutes. Du coup, bye bye la rediff.